Il y a quelques années de ça, j'avais été contacté par une ancienne pote du lycée qui m'avait demandé son aide. Elle n'avait pas oublié mon goût pour tout ce qui touche à l'espionnage, les films, les gadgets et les livres. Elle savait que j'avais du matos de ce genre et avait besoin d'un micro-espion, micro qui se place sur quelqu'un pour enregistrer une conversation à son insu. À vrai dire, ça faisait pas mal de temps que j'avais délaissé cet univers. J'étais adulte maintenant. J'étais marié, j'avais 2 enfants. Tout ce matos, je l'avais bien évidemment gardé, mais il devait être dans mon grenier maintenant. Cependant, l'histoire qu'elle m'avait racontée m'avait presque convaincu. Pas seulement de lui prêter le matos, mais surtout de l'accompagner dans son aventure. C'était follement excitant. Ça a ravivé en moi des souvenirs et des passions, me rappelant pourquoi j'adorais cet univers. Elle m'avait donc presque convaincu, comme je l'ai dit. Il faut dire que j'étais assez lâche. J'adorais voir les gens dans les films prendre des risques. Mais moi, je voulais jamais en prendre. Ma vie était simple et tranquille. Pourquoi gâcher tout ça? Sa réponse a été simple elle aussi. L'argent. Elle m'avait promis une belle liasse de billets si je l'accompagnais. J'avais donc accepté. Mon amie n'était pas mariée, mais elle avait énormément de potes. Elle était active et aidée dans beaucoup d'associations, d'œuvres de charité, tout ça. Elle avait vraiment l'air d'être quelqu'un de bien. La semaine d'avant, une de ses amies qui appartenait à une association venant en aide aux personnes âgées seules et isolées et qui ne voulait pas quitter leur domicile pour vivre leurs derniers jours dans une maison de retraite, avait disparu. Son amie était partie vivre quelques jours avec un vieil homme habitant dans une maison isolée de la ville, au beau milieu d'une forêt, histoire de voir si le vieux se débrouillait bien tout seul ou s'il fallait prévenir quelqu'un pour qu'il soit aidé dans son quotidien. Seulement, elle n'avait plus donné de signe de vie depuis qu'elle y était allée. Des membres de l'association y étaient bien allés pour demander des comptes au vieux, mais en plus d'avoir été très mal accueillis, le vieux leur avait certifié qu'il n'avait reçu aucune visite depuis des semaines. Même la police, qui avait enquêté, n'avait rien trouvé de suspect. Mon amie du lycée avait alors décidé d'y aller elle-même, sous couverture, histoire de faire avouer le vieux d'une façon ou d'une autre, par la ruse ou par la force s'il le fallait. On avait mis au point un plan pour pouvoir arriver à nos fins. Mon amie se ferait passer pour une inspectrice des impôts, qui viendrait vérifier si la déclaration du vieux était conforme. Il fallait que celui-ci soit mal à l'aise, qu'il ait peur d'avoir mal déclaré ses impôts, et que mon amie se montre encourageante et gentille, histoire de l'amadouer, et de faire croire au vieux qu'il suffirait de faire ami-ami avec l'inspectrice pour échapper à une sanction. Un plan ambitieux, mais qui pourrait marcher. J'avais alors équipé mon amie d'un micro-espion, caché sous sa chemise, et d'un émetteur. Quant à moi, j'étais planqué dans une camionnette, à quelques mètres, caché dans la forêt, où j'enregistrais toutes leurs conversations. Le plan s'était déroulé encore mieux que prévu. Le vieux avait vite entrepris de se mettre mon ami dans la poche, et l'avait même invité à dîner. Et c'est là que tout a dérapé. Mais au lieu de vous raconter, je vais directement vous passer la fin de l'enregistrement. Vous comprendrez mieux. J'en ai gardé une copie. Je vous passe le début, qui n'est vraiment pas intéressant. Vous reprendriez bien un peu de vin blanc, madame? Oui, volontiers. Il est délicieux. Monsieur Paul, vous vivez seul depuis longtemps? Oui, je n'ai plus de famille. Ils sont tous morts. Tous. Ils m'ont laissé seul depuis bien longtemps. Et personne ne vient vous rendre visite? Pas vraiment, à part ces crétins des associations qui viennent en aide aux personnes âgées. Ils pensent que je ne peux pas me débrouiller seul, mais ils ont tort. Ah, vraiment? Et ils viennent souvent? Il y en a une qui est venue la semaine dernière. Une petite grosse. Cette truie était insupportable. Vous reprendrez bien un peu de viande? Volontiers. Insupportable? C'est-à-dire? Elle voulait vous forcer à quitter votre domicile? Non, ce n'est pas ça. Vous voyez, s'il y a bien quelque chose qui m'insupporte, c'est la manière qu'ont les jeunes de parler. Ces temps-ci, quand je les vois parler à la télévision, ça me met en rage. Ils ne savent plus parler français. Je pourrais facilement en tuer un s'ils parlaient comme ça devant moi. Et cette femme parlait mal le français? Elle était insupportable. Elle utilisait le mot littéralement à tout bout de champ. Et voilà qu'elle était littéralement en larmes quand elle regardait les infos. Alors qu'elle ne pleurait pas du tout. Elle était littéralement morte de rire. Alors qu'elle n'avait même pas un sourire sur son visage. Je vous jure, j'étais vraiment exaspéré. Je déteste qu'on utilise ce mot pour rien. Ça a duré pendant les 2 jours où elle est restée ici.
Et elle est partie sans essayer de vous convaincre de partir avec elle ? Partir ? Non, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit que je détestais ces jeunes qui parlaient n'importe comment. Hors de question que je la laisse partir. Comment ça ? Elle est encore ici ? Non, au bout de 2 jours, j'étais tellement en colère à cause de ces littéralement que je me suis dit que la prochaine fois que je l'entendais utiliser ce mot, je la corrigerais. Je ferai en sorte que ce mot soit correctement utilisé. Ah, et que s'est-il passé ? Eh bien, elle avait chaud et elle s'est écriée « Je suis littéralement en train de cuire !» Ne me dites pas que... Si, ce furent ses dernières paroles. « Vous aimez votre viande ? C'est de la truie, bien juteuse. Elle est assez cuite. » Mais c'est pas vrai. Je... Vous avez du mal à respirer ? Reprenez donc un peu de vin. C'est une cuvée mortelle, littéralement. Voilà. Ça a été la dernière fois que j'ai vu mon ami du lycée. On m'a souvent demandé pourquoi tu n'es pas allé l'aider. Eh bien, parce que, comme je l'ai dit, je suis un lâche. Je sais que j'aurais pu peut-être l'aider ce jour-là, même si elle était déjà probablement condamnée à cause du poison. Mais que voulez-vous ? Sur le coup, j'ai préféré m'enfuir. Grâce à cet enregistrement que j'avais tout de suite apporté à la police, le vieux a pu être coffré. Ils avaient pu analyser la viande contenue dans son frigo. Il s'agissait bien du corps de la femme de l'association qui était portée disparue. Ils avaient également retrouvé ses ossements, enterrés profondément sous terre, dans la forêt. Mon ami était encore en train d'être dépecé quand la police est arrivée sur place.